La piadine, qu'est-ce que c'est? C'est une galette artisanale, une galette de pain artisanale, non levée, qu'on va garnir de charcuterie, de fromage et de légumes frais. Bon, je vais vous présenter la Carmel. Alors, tout d'abord, la pâte de la piadine, qui est une pâte artisanale, à base d'huile de pépins de raisin et de miel. De la mozzarella di bufala, qu'on va étaler au contact de la pâte, pour que quand on va le faire cuire, la mozzarella fonde. De la porchetta, qui est un cochon de lait farci avec sa chair parfumée au laurier. Sur la piadine, quelques tomates, des oignons cuits et un peu de roquette pour finir. Et après, il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Une fois la piadine préparée, on la fait passer sur la plancha pour la faire cuire à peu près environ 1 minute, 1 minute 30. Donc on fait bien respirer la pâte, c'est important. C'est une pâte qui est fragile quand même. Le temps que la mozzarella fonde bien sous la porchetta, c'est important. Mais pas trop non plus pour pas que les légumes soient trop chauds. Donc là, on va passer à la sortie de cuisson. Donc on la fait glisser le long de la plancha. Et on la roule tout simplement. Et voilà. Une fois cuite, on n'a plus qu'à la mettre dans son emballage. Donc un emballage unique qui est fait exprès pour tenir la piadine, avec une petite serviette derrière. On ouvre, on la fait glisser dedans. Et voilà, la piadine. L'Odzi a ouvert il y a 2 mois. On est la première piadineria sur Paris, c'est-à-dire qu'on est le premier établissement spécialisé dans la piadine. Donc la piadine, il faut savoir que c'est un produit qui vient d'Italie, et plus précisément de l'Émilie-Romagne, c'est une région au nord de l'Italie. Il faut savoir que c'est un produit qui est extrêmement populaire là-bas et très démocratisé. On a retravaillé sur la recette de la pâte de manière à ce qu'elle soit moins grasse, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein doux pour y incorporer de l'huile de pépins de raisin, donc quelque chose de plus fin. L'idée, c'est aussi d'avoir des produits de qualité qui viennent d'Italie. Il faut savoir que nous, on y livre chaque semaine. Et on travaille sur des produits qui sont peu connus du grand public, comme par exemple la porchetta. On a également des piadines qui sont végétariennes, donc pour les gens qui ne mangent pas de charcuterie. Donc on met des aubergines, des courgettes. On a également des piadines à base de poisson, saumon, thon. Et enfin, pour les plus gourmands, il faut savoir qu'on va développer bientôt un service de livraison à domicile. Donc vous aurez votre piadine chez vous, dans votre canapé, pour les gens qui habitent dans le 9e et le 10e arrondissement.